Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité, prêt pour demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Albert Kayumba, je suis agent de liaison au Collège La Cité. C'est un plaisir pour moi d'être là, au Centre des métiers à Orléans. Je suis avec Patrick Merville, qui est directeur de l'Institut des métiers spécialisé. Comment vas-tu, Patrick? Très bien, Dorian Albert. Ça va très bien, merci. Donc, on va parler des programmes de pré-apprentissage. Avant de commencer, j'aimerais que tu nous parles. On est dans un des laboratoires. Peux-tu nous dire, nous donner beaucoup plus de détails là où on est présentement? Oui, donc merci Albert de m'inviter aujourd'hui pour parler des programmes de pré-apprentissage. Mais juste avant de débuter, vous êtes dans le laboratoire de moteurs et de systèmes électriques dans le programme de technique du génie électrique et pour les électriciens de construction, donc les apprentis qui nous arrivent du marché du travail. Donc ici, vous avez derrière nous des modules, donc des maquettes académiques où les étudiants apprennent à raccorder toutes sortes de circuits électriques en changeant et interchangeant là, les différents modules. Donc, c'est vraiment, ce sont des unités qui sont fabriquées pour l'apprentissage et reflètent tous les types de circuits électriques qu'on peut retrouver sur le marché du travail. Très intéressant. On est vraiment bien équipés. J'aimerais que tu nous donnes un aperçu des programmes de pré-apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend ici dans nos programmes de pré-apprentissage? Donc, chers auditeurs, à chaque année, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario octroie au collège et au centre de formation accrédité la possibilité d'offrir des programmes de pré-apprentissage. Donc, bonne nouvelle, pour la prochaine année scolaire, le Collège de la Cité va offrir 3 programmes de pré-apprentissage. On va mettre l'emphase ici sur le mot « pré ». Donc, ce sont des formations préparatoires pour des métiers spécialisés, des formations préparatoires pour le marché du travail. Intéressant. Donc, je rappelle à ceux et celles qui nous suivent aussi que vous pouvez toujours poser des questions. On va répondre à vos questions. Donc, tu viens de parler des 3 programmes. Peux-tu nous donner plus de détails de ces programmes, mais aussi quand est-ce que ces programmes vont commencer? Donc, pour la prochaine année scolaire, le ministère nous a approuvé, comme j'ai dit tantôt à l'heure, 3 programmes. Le premier, c'est un programme de pré-apprentissage pour former des futures soudeuses et soudeurs. Ce programme va être offert au Centre des métiers Minto, ici à Orléans, dans notre bel atelier. Le programme débute le 26 avril 2021, donc dans moins de 4 semaines. Donc, celui-là débute très tôt. Les 2 autres programmes vont débuter le 21 juin, donc un peu plus tard à l'été. Les 2 autres programmes sont dans d'autres domaines. Donc, le 2e programme, c'est celui de technicien d'entretien automobile. Celui-ci va être offert à notre campus principal à Ottawa. Et le 3e, qui débute aussi le 21 juin, va être offert ici même au Centre des métiers Minto-Orléans. Il s'agit du programme de mécanicien, mécanicienne, de système de climatisation et de réfrigération. Intéressant, donc il y a beaucoup de choix. Et je sais que depuis l'année passée, la majorité des cours se donnent à distance. Peux-tu nous donner aussi, nous parler de la façon qu'on offre des cours présentement ou qu'on va offrir surtout des cours qui vont commencer bientôt dans ces 3 programmes de pré-apprentissage? Avec plaisir, Albert. Donc, pour la prochaine année scolaire, spécifiquement pour nos 3 programmes de pré-apprentissage, étant donné qu'il s'agit de très petites cohortes, nous allons offrir la totalité des cours sur nos campus. Donc, il n'y aura pas de cours à distance ou en ligne pour les 3 programmes de pré-apprentissage. Il s'agit de programmes à temps plein de jours, donc les apprenants passent la journée entière avec nous du lundi au vendredi, autant en salle de classe qu'en atelier ou en laboratoire. Donc, dans ce contexte-là, nous avons décidé d'offrir tous les cours sur les campus dans des environnements sécuritaires qui respectent toutes les mesures sanitaires étant donné la pandémie à l'heure actuelle. Très intéressant. Donc, je trouve que c'est un avantage. Donc, ceux et celles qui vont s'inscrire vont profiter de ces équipements que nous avons au collège. J'aimerais que tu nous parles aussi d'autres avantages. Je pense que ça fait partie des avantages que nous avons pour ces programmes. Mais aussi, peux-tu donner plus d'informations concernant des avantages de choisir un programme de pré-apprentissage au Collège de la Cité? Donc, effectivement, le Collège de la Cité offre une panoplie de différents types de programmes d'études. Les programmes de pré-apprentissage sont particuliers pour les raisons suivantes.
La première et une des plus intéressantes ou alléchantes, c'est le fait que les programmes sont totalement gratuits. Donc, les programmes sont subventionnés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario. Il y a des petites cohortes, donc on vise 10 à 15 apprenants par programme. Donc, il y a de nombre de places limitées et le programme est totalement gratuit. L'autre avantage, c'est que le programme vise vraiment à vous permettre d'accéder au marché du travail. Donc, tous ceux et celles qui, depuis un certain temps, ont de la difficulté à se trouver un travail, nous allons prendre le temps de développer vos compétences essentielles, vous préparer au marché du travail, vous introduire à un métier spécialisé, vous placer en stage et vous aider à vous dénicher un emploi. Donc, à la fin du programme de pré-apprentissage, l'objectif, c'est d'avoir un emploi stable dans un domaine des trois métiers spécialisés que j'ai mentionnés tout à l'heure. Intéressant. Donc, ça permet vraiment d'intégrer le marché du travail. J'aimerais aussi que tu profites de cette occasion pour nous parler du portrait du marché du travail à l'heure actuelle. Donc, dans le domaine des métiers spécialisés à l'heure actuelle, on vit une pénurie énorme de travailleurs, de professionnels. La plupart des gens qui œuvrent à l'heure actuelle dans le domaine des métiers spécialisés sont des gens qui sont éligibles à la retraite ou qui considèrent sérieusement la retraite. Donc, on a besoin de former une génération complète de futurs travailleurs. Et les programmes de pré-apprentissage sont un excellent tremplin pour venir développer ses compétences essentielles, bien saisir, maîtriser les compétences de base d'un métier spécialisé et de devenir un futur travailleur pour remplacer ces gens-là qui doivent quitter à la retraite. Donc, beaucoup de perspectives d'emploi à l'heure actuelle dans le domaine des métiers spécialisés. Intéressant. Et quel est le profil des étudiants et étudiantes qu'on cherche? Donc, les programmes de pré-apprentissage sont pour un peu tout le monde. Donc, tout le monde est éligible techniquement. Que vous soyez des élèves du secondaire, vous avez accès aux programmes de pré-apprentissage. Tous ceux et celles qui veulent se recycler, donc qui veulent faire un changement de carrière, qui veulent explorer une deuxième carrière. C'est aussi pour les gens qui sont sans emploi, pour ceux et celles qui tentent de réintégrer le marché du travail. Donc, c'est un programme qui est accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire demande au programme. Ça va nous faire plaisir de vous considérer pour le programme. Ben, c'est des bons programmes de pré-apprentissage. Qu'en est-il pour ceux et celles qui ont déjà une expérience ou un bagage dans ce domaine? Est-ce qu'on peut leur créditer certains cours? Donc, si vous avez déjà fait des études postsecondaires ou si vous avez déjà œuvré sur le marché du travail, donc vous avez des expériences, vous avez du vécu, il est possible, à l'entrée du programme, une fois que vous êtes inscrit au programme, de faire des tests défis et d'obtenir certaines équivalences pour certains des cours. Surtout, par exemple, les cours en début de programme où on vise vraiment à s'assurer que vos compétences essentielles pour le marché du travail sont bien développées. Donc, que ce soit l'employabilité, les mathématiques, l'informatique, la communication, etc. Donc, si vous jugez que vous maîtrisez déjà ces compétences-là, il est possible d'aller chercher une certaine reconnaissance des acquis ou des équivalences scolaires pour certains des cours en début de programme. Lorsqu'on se lance dans l'exploration du métier comme tel, si vous avez en plus déjà travaillé ou œuvré dans ce domaine-là, on pourra examiner cas par cas s'il est possible d'avoir certaines exemptions. Mais l'objectif, c'est vraiment de développer vos compétences essentielles pour un métier qui est normalement nouveau pour le ou la candidate. Donc, il y a beaucoup d'avantages. J'imagine que parmi ceux et celles qui nous suivent présentement, il y en a qui se posent la question, comment on peut s'inscrire dans un de ces trois programmes? Très bonne question, Albert. Donc, tous ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle, c'est très, très simple. Je vous invite à nous acheminer un courriel à l'adresse suivante, info@collegelacité.ca. Donc, je répète, info@collegelacité.ca. Et à partir de ce moment-là, un de nos agents va vous répondre et procéder avec l'inscription à un des programmes de pré-apprentissage. J'aimerais aussi que tu nous parles au niveau de l'inscription. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Je sais que le programme est gratuit. Est-ce qu'on doit prévoir un montant pour payer les frais d'inscription? Merci, Albert, pour la question. Donc, chers auditeurs, aucun frais d'admission, aucun frais d'inscription et aucun frais d'études pendant la durée totale du programme d'études. Très intéressant. Donc, c'est vraiment un programme, c'est des programmes plutôt gratuits, qu'on offre gratuitement.
Et on va s'assurer d'appuyer ceux et celles qui ont besoin de s'inscrire. Est-ce qu'il reste encore des places? Ah, la question ultime, Albert. Donc, ce sont des programmes qui sont très convoités. Comme j'ai dit, un certain nombre de places limitées. On vise entre 10 et 15 participants seulement par programme. Donc, un total d'à peu près 40 à 45 personnes divisées en trois métiers. Oui, effectivement, il reste des places, mais il y a beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle pour les programmes, étant donné qu'ils débutent à la fin avril et à la mi-juin. Donc, il faut faire vite. Si ça vous intéresse, acheminez-nous un courriel dans les plus brefs délais, puis on va procéder à votre inscription. Intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Avant de clôturer notre Facebook Live, est-ce qu'il y a une autre information ou des informations pertinentes que tu aimerais aussi partager à ceux et celles qui nous suivent? Oui, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, s'il s'agit d'un programme à temps plein de jours, du lundi au vendredi sur une période de 6 à 8 mois. Donc, si vous avez, cela cause des défis par rapport à votre réalité personnelle, familiale, soyez rassurés parce que le collège et le ministère sont là pour vous aider. Le programme prévoit aussi des fonds pour vous permettre d'avoir accès à des équipements de protection. Donc, le collège, via les subventions du ministère, vont vous fournir des bottes de sécurité, des casques, des lunettes, des visières de soudure, des manteaux, etc. Donc, on vous fournit une trousse d'équipements de protection individuelle, en plus d'une boîte à outils spécifique à votre métier. Pour ceux et celles qui auraient des défis au niveau du transport, le ministère offre aussi des subventions pour ceux et celles qui ont besoin de se déplacer pour se le rendre sur un de nos deux campus. Donc, on pourra discuter des modalités à ce niveau-là. On peut même jusqu'à aller de vous aider avec certains frais associés comme les services de garde, etc. Et pendant la durée de votre stage, à la fin du programme, vous allez aussi avoir accès à un per diem parce que notre objectif, c'est de vous amener vers un emploi. Donc, le stage est hyper important à la fin du programme d'études et c'est à ce moment-là qu'on veut s'assurer que vous avez accès à votre stage et que ça ne cause pas nécessairement un fardeau sur vos finances personnelles. Donc, vous avez accès à un petit per diem pendant la durée du stage. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Inscrivez-vous. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions au cas où vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup et à la prochaine.